Ce que je vois ce soir, donc dans cette soirée de Ligue des Champions, c'est que Bâle a battu Chelsea, c'est que l'Ajax a battu le Barça, et c'est que Marseille est arrivé à l'Emirates Stadium pour pas jouer un match de Ligue des Champions. Le Marseille, c'est donc un club qui a plus de 100 millions de budget et qui ne joue pas un match de Ligue des Champions parce qu'ils sont tombés dans un groupe difficile. Ok, c'est vrai, personne ne les voyait sortir de ce groupe, ni moi, ni Jean-Michel, ni toi. Ça aurait été un exploit, Faut reconnaître qu'ils n'ont pas eu de chance au voire tirage. un Faut le miracle. reconnaître. Maintenant, de là à être résigné, de là à insulter la compétition, à l'image de la compo de ce soir qui est absolument ridicule, grotesque, qui ressemble à son entraîneur qui respecte pas la Ligue des Champions en venant habillé comme un bonhomme de neige, alors que tous les autres entraîneurs font l'effort dans cette compétition d'avoir une certaine allure. Je trouve que on est au-delà de la honte et du ridicule. J'ai pas envie d'être indulgent parce que moi je respecte énormément l'OM et je pense que l'OM ne se respecte pas. Je pense que toutes les balivernes, les fariboles que nous racontent les dirigeants marseillais depuis quelques semaines sur le projet, parce qu'ils nous vendent ce mot projet là, comme autrefois on vendait des aspirateurs le pied dans la porte. Moi j'en ai marre, je trouve que c'est ridicule. Alors le football français a relevé la tête la semaine dernière là, dans un sursaut d'orgueil en se qualifiant pour le mondial. Ça passe pour un exploit planétaire, alors que se qualifier pour le mondial ça me semble être quelque chose de normal. Mais à côté de ça, les clubs continuent à On faire. range ton extincteur, hein. Au bout d'un moment, ça suffit. Ouais, et ben bah, extincteur quoi, il y a Bah, sur pas. l'équipe de France. Ah ouais, non, mais je suis. Non, non, mais en fait, On est tous ravis. Sur l'équipe de On est France, tous. même si on doit faire 30 secondes, il n'y a rien de plus normal que de se qualifier face à l'Ukraine. Non, Exactement, la mais Coupe du Monde. C'est le scénario qui a créé l'émotion. Non, le second vous match, savez bien. et le second match n'est qu'un Bon, renversement, revenons sur renversement de situation et que, dans laquelle cette situation dans laquelle l'équipe de France était mise toute seule. Revenons à donc, Marseille. Je termine rapidement Termine et en ensuite on verra si interpellant Jean-Michel Jean-Michel, est parce d'accord que avec je toi. sais que le sujet lui tient à cœur en ce qui concerne la Coupe d'Europe. Et on en a parlé souvent ensemble. Quelle est la raison? C'est ma question ce soir. La raison, je veux même pas une bonne raison. Je veux une raison, même mauvaise, d'être résigné au moment de jouer cette poule de Coupe d'Europe, même contre des équipes compliquées, plus fortes que toi. Qu'est-ce qui peut te permettre de snober la Ligue des Champions? L'Europa League, on a compris, les clubs français la snobaient, c'est de la merde, c'est pas digne de nous. On a compris, finalement, à force de nous le répéter chaque année, de nous taper sur la tête pour qu'on comprenne, on a fini par comprendre, c'est pas assez bien. Mais la Ligue des Champions, maintenant, ok, il faut également comprendre que ce n'est pas pour les clubs français. C'est comme ça. Ok, merci. Si quelqu'un peut Alors, m'expliquer ça, je veux bien attendre l'explication. Jean-Michel, est-ce que globalement tu es d'accord avec le coup de gueule de Daniel là, Oui, mais sur l'OM? il a raison. Et puis moi, je vais rajouter une petite mettre une petite couche supplémentaire. Là, non, 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 Je suis non, ravi, non, Jean-Michel. simplement, Daniel, c'est que les clubs aujourd'hui, contrairement à ce qui s'est passé plutôt avant-hier qu'hier, mais bon, je suis bien obligé de parler d'avant-hier, les clubs ont la chance, quand ils sont qualifiés après les tours préliminaires, ont la chance de pouvoir jouer 6 matchs de Coupe d'Europe. Eh oui. Ce qui est quand même un cadeau du ciel assez extraordinaire. Exact. Quel est celui qui, au début de l'existence de la Ligue des Champions, qui s'appelait à l'époque la Coupe d'Europe des clubs champions, quel était le joueur qui, dans la même saison, alors qu'il était qualifié, pouvait jouer 6 matchs, pouvait être sûr de jouer 6 matchs de Coupe d'Europe? Un mec qui allait loin dans la Il fallait qu'il compétition. aille en quart de finale, voire en demi-finale. Or, aujourd'hui, ces gars-là, ils ont la chance de jouer 6 matchs de Ligue des Champions. Tu sais ce que c'est, 6 matchs de Ligue des Champions, Gilbert? C'est un cadeau du ciel. Et ce cadeau du ciel, ils ne l'ouvrent même pas. Ils ne défendent même pas le nœud. Ils Mais le alors, laissent totalement emballé. si je puis me Et permettre, ça, Mais le c'est. cadeau aujourd'hui, Mais c'est d'y participer. Le Jean-Michel cadeau montre du doigt aujourd'hui, les c'est d'y joueurs. Bah, aller. attends, Jean-Michel montre du doigt les joueurs, très bien. Mais moi, j'ai aussi envie de montrer du doigt l'encadrement, les dirigeants, parce que. Non, je parce montre pas du doigt les joueurs, je montre la philosophie du ouais, club. Exactement. Mais non, il non, faut le préciser. Non, tout, mais parce il a que raison. les joueurs, il faut aussi savoir les mettre dans les dispositions pour que, bah, ils montrent qu'ils sont capables mais de le le mec faire. sur le terrain, mais tu as vu le comportement ce soir. Très bien, mais je vous rejoins sur les joueurs.
Mais moi, je mets tout le monde dans le même sac. Bâle a battu Chelsea ce soir. C'est-à-dire, quand t'entends le discours des dirigeants, quand t'entends le discours de l'entraîneur, quand tu vois les compos de départ, c'est aussi eux les responsables. Non, mais il faut mais le bien sûr. Mais bien sûr, c'est toutes ces sottises qu'on nous vend sur ce fameux projet. Mais c'est quoi qu'on nous l'explique une bonne fois pour toutes? Parce que le pire, c'est que les supporters acceptent ça. Acceptent ça. Il y a deux, trois, de temps en temps, personnes qui nous téléphonent et qui, ah bah oui, non, c'est pas bien. Et puis après, t'inquiète pas, tout le monde sera mobilisé parce que le match important de la semaine, c'est vendredi soir contre Montpellier. Alors, j'aimerais que les supporters marseillais qui veulent défendre leur club nous appellent parce que là, l'OM s'en prend plein la tronche. Mais je défends l'OM. Oui, ah attention, non, alors là, pas non. Défendre là, leur club, défendre leur façon d'aborder la Ligue des Champions. Merci Jean-Michel. Je défends l'OM. Je suis extrêmement, alors là, que ce soir, je n'entende pas par pitié que je suis anti-OM ou ceci ou cela. Je respecte énormément ce club et c'est pour ça que j'en parle comme ça. Mais comment ça? Mais c'est comme Saint-Etienne quand ils sont passés au travers là dans le match contre Stéphane Edberg là. Mais c'était une honte. C'est ce qui m'a valu faute de pied. Mais tu te rends compte que ça m'a valu des insultes? On m'a interdit d'aller défendre mon livre dans un salon alors que je disais quoi? Je disais juste que pour l'histoire de ce club, mais c'était une honte au moment où tu retrouvais l'Europe de traiter cette compétition de cette façon. Alors que les supporters stéphanois en veulent toujours à leur équipe d'avoir pas snobé, mais d'avoir manqué à ce point un tirage au sort qui leur était très Jean-Michel, favorable. Daniel qui nous dit qu'il était l'incompris, quand même, c'est fort. Mais c'est vrai. mais bien sûr, les supporters stéphanois m'ont menacé, j'ai reçu des menaces graves, au point que le maire de la ville dit que j'ai tenu des propos infamants, alors que j'ai juste dit mais c'est eux qui ont insulté l'histoire de Saint-Etienne et l'histoire de ce club. Comme Marseille, bon, alors, ce soir, les joueurs et le club, ils insultent l'histoire de ce club, Libop et les joueurs. À nous raconter des sornettes pareilles. Après, c'est pas moi, mais moi je défends le foot, moi.